Le Sud Raid Adventure Race, c'est la manche représentant le continent européen dans la Coupe du Monde de Raid Adventure. Une course en France qui dure entre 72 heures et 96 heures. 7 disciplines sportives, 300 km à parcourir et 11 000 mètres de dénivelé à affronter. Nous sommes dans l'épisode 2. Après un prologue dans la ville de Vennes, un départ caniculaire s'est tenu au sein du mythique Mont Dauphin, qui a permis aux meilleures équipes de Raid Adventure de commencer leur chasse aux balises. Il y en a 90 à trouver sur un terrain de jeu immense. Ça y est, c'est leur sentier. Endurance, adaptabilité aux conditions climatiques infernales et aux disciplines qui s'enchaînent, gestion du sommeil. Les stratégies pour l'emporter sont multiples, mais seule la meilleure paiera. Là, on va aller faire une petite Via Ferrata. Après une demi-journée de course, les premières équipes se sont présentées sur la Via Ferrata de Fraissinière. Le jour est en train de faiblir doucement sur le site. C'est à la lueur des frontales que les choses vont se poursuivre. La nuit est réellement une bénédiction climatique en cet été 2023. La fournaise s'est apaisée, les corps sont moins sollicités. Mais la nuit oblige à décupler sa vigilance dans une ambiance sombre et somptueuse à la fois. Les toutes premières équipes sont passées aux dernières lueurs du jour. Le gros du peloton arrive de nuit. Sur ce genre de raid extrême, la première nuit est souvent une nuit d'effort sans sommeil. Ambiance studieuse, on se concentre sur la ligne de vie afin de ne commettre aucune erreur. Ici, le chronomètre est neutralisé pour 2 heures. Le temps nécessaire pour passer cet atelier de cordes. Si vous mettez moins, c'est l'occasion d'un repos express, mérité et précieux quant à l'état de forme général. Explication. À partir du moment où on donne le départ de la course, le chrono ne s'arrête plus. Ils ont entre 72 et 96 heures de course à faire non-stop. Les seuls arrêts chrono qu'on fait pour la sécurité, c'est pour les ateliers cordes. Donc s'ils se dépêchent un peu, ils ont quelques minutes de sommeil. Mais en fait, le sommeil n'est pas décompté du temps de course. C'est ça qui fait la richesse de notre sport, c'est qu'en fait, c'est une composante entière sur la performance de l'équipe. C'est l'éternelle balance entre est-ce qu'il faut dormir et aller un peu plus vite ou est-ce qu'il faut aller un peu moins vite et moins dormir. Donc c'est cet équilibre à trouver. Après, c'est de la stratégie de chaque équipe qui vont se dire « Bah voilà, moi, je veux partir fort, je ralentis, je diminue mon sommeil ou bah, je prends beaucoup de sommeil au début et j'accélère à la fin. » Donc voilà, c'est toute une stratégie de course qui va être hyper intéressante à regarder. Elles et ils ont clairement fait un choix. Le packraft se fera de nuit. Les équipes sont rompues à l'exercice, affrontant toutes les conditions les plus extrêmes, dont la navigation nocturne. Les packraft, ce sont ces embarcations gonflables, transportables, légères, un mix entre kayak et raft. Idéal en rivière ou sur un lac, facile à porter entre ces deux genres de navigation au programme. 2 équipiers par bateau et cette fois, 3 équipes ont commencé à prendre un peu le large. Au cœur de la nuit, des équipes s'échappent. Le Dossard 2 des Absolus Raid Aventure.fr, suivi du Dossard 4 des Absolus Raid Aventure Cap Ganguise, le Dossard 6 des 4 centimes Givaudan et le Dossard 21 des Lozère Team de Raid. À ce stade, rien n'est fait, d'autant que quelques équipes fondent à leur tour sur l'AT2, l'aire de transition packraft à l'assaut de la Durance. Je viens de finir un packraft sur la Durance de nuit et on part en VTT, 15 km, 1000 mètres de dénivelé. On a déjà fait un premier plouf, histoire de bien sentir que l'eau était froide. Je me dis que tous les 24 heures, ça serait bien de prendre des douches. Donc voilà, on a pris première petite douche. Dans la nuit, les cartes sont redistribuées. Il y a ceux descendus trop bas sur la rivière qui ont peiné à remonter, ceux qui ont réalisé une navigation optimale en attendant le petit jour. Tous et toutes partent à la recherche des balises disséminées autour de Risoul. Ce sont 2 équipes Absolus Raid qui ont le lead. Mais il y a du beau monde derrière elles et eux. Pour les équipes venues du nord de l'Europe, très vite, les températures redeviennent difficilement supportables. C'est peut-être ce facteur additionné à la fatigue qui va forcer certaines équipes à ralentir la cadence. De la vallée à Risoul Station jusqu'à presque 2000 mètres d'altitude à VTT, puis ce sera à pied jusqu'aux alentours de Vars, crapahutant à travers le mythique domaine de la Forêt Blanche. On vient finir le premier VTT. On est arrivé à Risoul. Et on va partir pour le grand trek montagne avec la barrière horaire à 17h pour les 3 balises de haute montagne. Quand tu pars sur un trek de 48 bornes et tu vois qu'il n'y a pas un nuage, que tu regardes la carte et que tu vois qu'il n'y a pas un arbre, voilà, d'où la crème. L'oxygène se raréfie en altitude et l'effort sera plus rude, surtout sans ombre, une fois passée la limite de végétation concernant les arbres, car la forêt demeure dense jusqu'environ 1700 mètres sur cette zone. Malgré l'altitude, on sent que le soleil est bien présent.
Les corps sont baignés du rude soleil estival, mais évoluent presque à la fraîche, les températures baissant d'environ 1 degré par tranche de 150 mètres d'altitude. Nous sommes aux environs des 2000, on vous laisse faire le calcul. Les montées, ça commence à faire mal un peu aux jambes, quoi. Mais c'était très beau. Ouais, c'est un peu unique ce genre de tracé dans les raids quand même. Mais on est, ouais, là, on est cuit quand même. On a dormi une petite heure. Bah, un peu dur. Hein. Un peu dans le dur à la montée. Hein. On se force à manger au moins toutes les heures, quoi. Ouais. Et moi, je commence à plus pouvoir manger des grosses portions. Mais... L'équipe qui gagne, c'est pas la plus physique, c'est celle qui arrive à gérer tous ses soucis annexes en fait. Voilà, tous ces soucis pour que l'équipe progresse en même temps. Si t'as le moins de grains de sable et que tu sais pas le gérer, là, c'est bien compliqué. Donc voilà, c'est tout cet apprentissage qui est assez intéressant en équipe comme ça et en non-stop. Les deux équipes absolues sont ensemble, talonnées par l'Ozer Team de Raid qui avait dû abandonner sur l'édition précédente. Actuellement en troisième position, les 4 centimes Givaudan sont quatrième. On a eu une petite mésaventure sur la première édition. C'est des expériences à prendre et on apprend à chaque fois de chaque erreur. On est un peu cuit. On cherche à se poser, on pense. En plus, on a eu un moment difficile là, donc je pense que ça va être une bonne option de se poser, dormir un coup, manger. On n'avance pas, on est fatigué, on n'a pas dormi cette nuit, donc forcément ça commence à tirer. Voilà. On a des gourdes filtrantes, donc ça nous permet de se déstresser sur l'eau qu'on trouve. C'est une gestion permanente qu'il faut avoir, être bienveillant envers ses coéquipiers. Voilà, que tout le monde ait bien mangé, est-ce que quelqu'un a sommeil, pas sommeil. C'est important de gérer ces moments-là qui peuvent faire basculer la course. Donc il faut éviter qu'il y en ait un qui tombe vraiment trop bas et qu'on soit obligé d'arrêter, quoi, tout simplement. Une moyenne à 1h30 par jour de sommeil, c'est... Bon, ça paraît très très peu pour quelqu'un lambda, mais... En course, c'est suffisant. Ça permet de repartir à chaque fois, d'être reposé. C'est quand même un sacré avantage derrière sur la vitesse de course, sur la lucidité pour orienter. Chez les 4 centimes aussi, les temps sont durs. Qu'est-ce qui arrive ? Batterie à plat. Batterie à plat, un peu chaud, un peu la bouffe, un peu pas boire. Ça fait encore plus mal, c'est le papa. Donc, à 8h. On va faire avec. On attend. Nous, on l'aide, on porte le sac. Reste, te lève pas. Tu manges pas, tu jettes. Vous avez l'humeur de chacun, vous avez les envies de chacun, celui qui veut dormir, celui qui veut pas dormir, celui qui veut manger, celui qui veut accélérer, celui qui veut freiner. Et donc ça, c'est le rôle de l'entente de l'équipe, du capitaine aussi, qui peut quelquefois trouver des compromis ou qui peut quelquefois imposer des choses. C'est une épreuve d'équipe et ça, vous avez la force de l'équipe, c'est-à-dire que quand vous en pouvez plus, vous dites bah, « je vais abandonner », si vous abandonnez, c'est toute l'équipe qui abandonne. Donc ça, ça donne une force en plus, il y a l'entraide, on peut tirer, pousser, à vivre, ça, c'est des moments qui sont incroyables. Ces athlètes de haut vol sont à l'assaut d'un gros morceau du parcours, aux alentours des 3000 mètres d'altitude, en direction d'un lieu minéral et grandiose, mais qui se mérite. Le point culminant. La Mortisse culmine à presque 3200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a comme une impression de marcher sur la Lune, plus que dans les Alpes du Sud. C'est le point haut du raid. 18 heures de course harassante, 30 de balises sont passées pour les premiers, un bon tiers de course. Pour les absolus raids d'aventure, la descente vers un monde plus animal et végétal s'amorce doucement. Après plus de 20 heures de course non-stop, le moral est là. Mais le pas se fait lourd. Tôt ou tard, il faudra s'arrêter, dormir, se reprendre et laisser peut-être la concurrence vous reprendre. Un stress permanent car bien sûr, à ce niveau d'engagement sportif, plus encore que le chemin, c'est la victoire qui est belle et visée. Oui, on arrive peut-être à se croiser. C'est long encore. Donc, tant qu'on n'a pas passé la ligne, tout peut arriver. En redescendant autour des Clos, sur la station de Vars, les équipes Absolu Raid retrouvent des forces. L'altitude se fait moindre, la chaleur accablante, en revanche, se refait lourde.
mais ses sociétaires d'un des clubs français les plus en vue, basés en Occitanie, ne craignent pas les coups de chaleur. Ce sont des habitués des circuits mondiaux, leur stage annuel en Espagne aussi les a probablement conditionnés à ce genre de températures extrêmes. Championnat de France, d'Europe, du monde, ils sont de toutes les compétitions, de tous les podiums et en tête de la Sud Red Adventure Race 2023 après plus de 24 heures de course. Les Lozères Team de Red sont toujours troisième. L'équipe 4 centimes étant à la peine, la Bim Bim Team rejoint doucement le trio de tête. Rien n'est jamais joué en matière de raid, une seule certitude, tous évoluent dans un cadre que bien des sportifs aimeraient contempler. Les premières équipes reviennent dans la vallée et vont passer la balise 49, la dernière avant la T5, signifiant la fin de ce trek de très haut vol, pour enchaîner sur une longue section de VTT qui va les mener jusqu'aux rives de la Durance en début de nuit, où une nouvelle section de packraft les attend. Les absolus Red Cap Ganguise se hâtent, car il y a à la clé une Dark Zone qui les attend sur la prochaine aire de transition. On s'explique. Certains passages sur la Durance doivent se passer de jour. Les équipes ne pourront repartir qu'entre 6h du matin demain et avant 17h pour les derniers. Les équipes de tête ne pourront conserver leur avance, mais être premiers est quand même récompensé, car plus tôt ils arrivent, plus ils vont pouvoir dormir. Et dans ce genre de raid extrêmement exigeant, une vraie nuit de sommeil pour se refaire est un avantage considérable. Allez, c'est parti. Plus on va vite et plus on dort beaucoup. C'est rigolo ce jeu. Dré dans le pentu pour plus de fun. Dans les Hautes-Alpes, ils ont fait plein de routes, mais ils n'ont pas fait beaucoup de lacets. Comme les tentiers. Non mais... C'est en train de marcher. Il marche. À côté de vélo. No way. Il y a de l'orage. Autre avantage, avec leur avance, ils ont distancé un orage de montagne qui grondait au-dessus d'eux. Après 31 heures de course, les Dossards 4 arrivent avec une large avance et peuvent enfin souffler un peu. Bienvenue. Ça fait que la dernière descente de nuit, mais tout le reste, hein, c'est passé de jour et c'est toujours plus facile d'avancer, de naviguer de quand il fait jour. On va essayer de dormir le plus possible pour être en forme pour le départ demain matin. Une heure environ plus tard, c'est la team absolue Red Aventure qui pose pied à terre. Le kayak reprend à 6h du matin, donc ça va faire une belle grosse nuit, c'est parfait. C'est un peu stratégique parce que ça remet un peu la course à zéro. Demain, on va tous repartir en même temps. Nous verrons combien d'équipes seront prêtes à partir à 6h, la fenêtre d'ouverture de la rivière. Si l'on positionne en temps réel toutes les équipes sur la carte, on comprend mieux les écarts qui se sont créés. Arriveront-ils tous avant la barrière horaire ? Les équipes ayant dormi vont-elles profiter de cet avantage certain ? Les réponses viendront dans le prochain épisode. Il sera alors question d'une autre journée d'efforts, de probables chamboulements au classement et de nouvelles découvertes tant sportives que visuellement émerveillantes en termes de paysage. Ce sera l'objet de l'épisode 3 sur 4 qui arrive.